4, 3, 2, 1. C'est parce que Bobby est toujours en liberté en fait. Hier, il n'a pas été arrêté pour aller en cellule ou bien pour passer devant la justice. Non, il a été arrêté pour sa protection. Parce que l'État a peur en fait. Le policier a peur qu'il lui arrive quelque chose. Ouais. On est quelle date là? Le 31 janvier 2024 est une date historique. Très historique. Très historique qui restera gravée dans les annales de l'histoire du Cameroun. L'arrestation du plus grand violeur sodomiseur en série. Je suis vraiment content qu'on ait arrêté ce monsieur. Vraiment, c'était... Je n'arrivais pas à dormir. Du coup, avant de commencer, j'aimerais remercier particulièrement Monsieur Badanguele, le DGSN. Parce que je sais que c'est lui qui a été à la manœuvre. Voilà. Comment je sais que c'est lui qui a été à la manœuvre? Parce que j'ai reçu un message d'un commissaire de police là-bas. Il doit s'appeler, je pense, Meva ou Meka, un truc comme ça. Qui m'a dit qu'ils sont en train de tout mettre en œuvre pour arrêter ce monsieur. Du coup, j'aimerais dire merci à la police camerounaise. Laissez-moi vous parler un peu. Aujourd'hui, nous sommes en train de chanter, on rigole. Oui, c'est comme une fanterie. Mais laissez-moi vous dire l'affaire est sérieuse. Apprenez à faire avec ce que Dieu vous donne. Arrêtez avec des longs yeux. Ma copine, si tu es petit, comme tu es petit, tu ne connais pas travailler l'argent. S'il te plaît, cherche ton petit gars. Vous travaillez ensemble, développez ensemble. Arrêtez d'aller voir des choukras d'Asie. Parce que ça va toujours finir comme. Bobda, comme tu aimes toujours prendre les enfants des gens par derrière, là, toi-même tu vas à Lille à la prison centrale, ou bien tu es à Konengyo, ou bien tu... Peut-être tu es encore... Ou bien c'est au tribunal, parce que toi là c'est le tribunal militaire, ce n'est pas le tribunal de la première instance. Parce que Oyonu, t'es happy! Aïe, maman! Toi-même tu vas à Lille là-bas, comme tu passes ton temps à séquestrer, violer, menacer, ligoter les enfants des gens. Non, là... Ta sentence sera la magie, maman. On ne veut pas les choses que Bob va aller faire un mois en prison, après il va fuir là. Parce que je suis ici en Belgique là, mais j'ai mes éléments là-bas à la prison. Chaque matin, il aura le petit café. On ne rit pas avec toi. Dans les choses là, qu'on arrête Bob Dalla après il disparaît là, j'espère qu'on ne va pas le libérer parce qu'il a trop fait. Aïe, nous, gaga. Ganganga. Sata. J'espère seulement. Voilà, et maintenant je veux m'adresser maintenant aux enfants là. Mine de rien, Bobda, ce qu'il a fait, c'est déplorable. On sait. C'est-à-dire, c'est indéniable. Maintenant, je veux m'adresser aux petites filles de 16 ans. Parce que les enfants de 16 ans de nos jours, là-bas au Cameroun, maman, même les mères de 30 ans. 35 ans, 40 ans n'ont pas fait ce que les enfants de 16 ans font là-bas au Cameroun. Et l'éducation des enfants là, c'est les parents. Il faut arrêter d'accuser les influenceurs. Parce qu'un influenceur lui-même là, c'est un être humain. Et il est fait de chair. Et c'est un pécheur inconditionnel. Les influenceurs ne sont pas responsables du dérapage de vos enfants. Je suis désolé. C'est à vous les parents. Il y a un adage qui dit, on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur, d'accord.
Mais toujours est-il que si tu éduques ton enfant selon les préceptes de l'Éternel, je parle selon la Bible, ça sera très difficile pour qui se... Très, très difficile. Vous avez les enfants, je parle surtout aux parents. Tu es là, tu travailles. Je parle de la mère travaille, peut-être, je ne sais pas, peut-être elle est fonctionnaire d'État, le papa. Vous rentrez, vous ne cherchez même pas à connaître ce que vos enfants font à l'école, qui y côtoient. Et après, quand l'enfant arrive à l'âge de la puberté, l'adolescence, il commence à faire des choses pour poser la question. Mais arrêtez un peu. Les enfants de 16 ans de nos jours, là-bas au Cameroun, elles ont les yeux kilométriques. Les yeux kilométriques. Donc même si Bogdala a eu à violer, mais c'est parce que vos enfants, d'abord, regarde comment elles s'habillent. Vous partez partout sur TikTok. Les petites filles de 16 ans, elles sont là, elles montrent les seins partout, partout. On vous a gâté pour le pop, yo. Vous cherchez quoi dehors, les enfants, c'est là. Une petite fille de 16 ans comme ça là. À l'âge de 16 ans, si tu es l'âge normal, tu dois faire entre 3e et 2e. Si tu es très intelligent, tu dois faire la classe de terminale. Mais les petites filles d'aujourd'hui, 16 ans, tu les vois là comme ça, maman. Le truc est déjà comme la route. Je parle le shooter. C'est déjà comme la route ici. Maman, elles font les choses même que les mamans de 40 ans n'ont pas fait. Elles secouent vos papas. Je parle des hommes. Lui-même, il est dépassé. Donc, je suis désolé. Bobda. Donc, vous là, les petites filles de 16 ans là, calmez-vous. Faut vous calmer. Le sida de yo. Sidanza. Il aime le sidanza. Oh, mais you. Ah, vous savez, les gars, on aime tous les femmes. On aime les femmes. Mais violer, c'est un crime. On dit en anglais quoi? Rape is a crime. Le viol est un crime. On ne peut pas tolérer ça dans un pays. Bobda, même si tu fuyais pour aller, je sais pas, en Ouzbékistan, on allait te prendre. Quoi, ça te prend, c'est ça? Attends. Un violeur sodomisé mérite la prison. Voilà, rapproche-toi. Dis quelque chose avant que le côté se vide. Un violeur sodomisé. Attends, dis-nous comment tu te présentes, tu viens de soi. Patrick Judas Sotioba, SOA. Voilà. Voilà. Je suis là pour célébrer l'arrestation, la torture même de Bobda. Oui. Avec son... Le gros calaisson, on le fait avec les filles. Il me dit la prison à vie. À vie. Non. C'est parce qu'il n'y a plus la peine de mort au Cameroun. Tu as raison. À vie. Maman, viens dire quelque chose. Parce qu'en fait, c'est la gente féminine qui est concernée. Vous devez célébrer cette journée. En fait, on a remporté la Coupe d'Afrique. Oui. Vraiment, nous sommes très contents de l'arrestation de ce monsieur. Oui. Il ne mérite même pas appeler monsieur, vraiment, parce qu'il est... C'est pas un monsieur. Comme un animal. Voilà. Sako Yaya. Sako Yaya. Sako Yaya. Voilà. Un petit Sako Yaya même. Voilà. Qui est resté là-bas. Voilà. Vraiment, félicitations à la police camerounaise. Voilà. Vision Pro. Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672 30 37 85 697 39 27 28.